Et bonjour à tous, c'est Mister Gecko. On se retrouve aujourd'hui pour la suite de notre Let's Play sur Foundation. Donc la dernière fois, on avait commencé à construire pas mal de petits bâtiments un peu partout. Ici, on avait construit un nouveau grenier pour pouvoir stocker plus de... mince, comment c'est... de houblon. Et on avait notre pont qui est en train de se construire là. D'ailleurs, il y a des arbres qui ont poussé au milieu du pont. Fantastique! Je pensais que ça les aurait coupés. Bien non. Et ensuite on fera une abbaye. Enfin non, un monastère, ici. Au milieu de cette île. Ok. Là on produit du bois. Le bois maintenant on est vraiment à l'aise. La nourriture par contre c'était ça qui posait un petit peu problème. Mais on a des stocks de poissons qui sont assez grands. Du coup ça devrait aller. On avait aussi dit qu'on allait faire une nouvelle ferme. Je sais plus où je l'ai mis d'ailleurs. Si, est-ce que je l'ai mis ou pas? Je ne suis pas sûr. Qu'est-ce qui se passait ici? Pourquoi j'ai plus de maison ici? Elles sont où mes habitations? Ah, elles sont en train de grandir, ils vont les améliorer. Ok, on avait fait un atelier de tailleur. Ok, donc allons-y, assignons un tailleur. J'ai des nouveaux villageois qui vont arriver. Là, j'ai fait pour produire de la laine. Non, un tisserand, pardon. En laine, est-ce que je suis bien en laine? J'ai mes bergers, là, de toute façon. La laine, je suis full, hein. La laine, je suis vraiment full. Est-ce que non, j'ai... Je vais voir s'il y a des endroits où j'ai des stocks qui sont vides quand même. La pierre, ça commence à descendre un peu. C'était où que j'ai créé des nouveaux camps de bûcherons? C'est ici. Ah non, là, c'est les tailleurs de pierre. Tailleurs de pierre. Carrière. Ok, et ben on va affecter des mineurs. Hop. Un. Cabane de tisserand. Les deux tisserands. Ouais, parce que les vêtements, on est limite. Je dois avoir un autre tailleur de pierre. Carrière, là. Ok, donc ça devrait aller. Promotion disponible. Est-ce qu'on va en promouvoir certains? Je ne sais pas. Serre, c'est sûr. J'ai pas de soldats que je peux promouvoir. Citoyen, non. Pas tout de suite. Les roturiers, peut-être. On verra. Les citoyens peut-être pas, parce que pour le moment les besoins de luxe, je suis pas sûr de les faire au maximum. Nouvelle mission militaire, ok. Qu'est-ce qu'ils font là? Pourquoi j'ai plus de maison là? En attente d'un bâtisseur. Ah, j'ai peut-être pas assez de... Manque d'espace pour... Eh, attends, t'es où toi? Ouais, et comment je le sélectionne? Est-ce que je peux le sélectionner? Je ne sais pas. Oh là là. Oh là 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 là. Le bonheur, c'est pas ouf du tout là. Ils ont besoin d'espace pour construire des habitations. Alors... Parce que là, ils sont déjà blindés, ils arrivent déjà plus à se poser. Là, j'ai plein de place là. Là aussi. De ma gueule. Faudrait que je fasse un autre marché par là, c'est ça? Bah oui, il est en train de se faire là. Ok, j'ai pas assez de bâtisseurs, je crois. J'ai lancé trop de constructions en même temps. Alors, attendez, les bâtisseurs, j'en ai combien? Atelier de construction, quand même. J'ai 3 ateliers de construction, j'ai 9 bâtisseurs. Ça fait quand même pas mal, non? 9 bâtisseurs. Ouais, c'est peut-être pas suffisant. Hein. Le problème, c'est qu'il y a des moments où je vais rien foutre, quoi. Il y a des moments où je vais rien foutre. C'est un peu ça le problème. Bon, là, ce serait bien que je priorise ça quand même.
la construction de ça. Tac, 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 voilà. Comme ça, je vais me faire un petit espace ici de construction. Et je vais couper tout ce bois. Et je pourrais avoir des habitations un peu plus ici aussi. Ah, j'ai oublié quelque chose d'ailleurs. Un puits. Un puits, un puits, un puits. Par ici, le puits. Par là. Ouais, par ici, le puits. Hop. Ou par ici. Ouais, je ne sais pas. Par ici, le puits. Commencer la construction. Prioriser. Hop. Ok. Là, ils galèrent avec leur maison, du coup. C'est pas grave. Ouais, j'ai lancé trop de construction en même temps, je pense. Donc là, on a dit qu'on allait mettre du houblon. Parce que le houblon, on en produit beaucoup trop. Genre, beaucoup, beaucoup trop. Oh, le mauvais temps est derrière nous. Fantastique. Donc déjà, c'est une bonne chose. On va se remettre à produire du pain. Du pain. Le fromage, ça descend. Beaucoup trop aussi. Là, qu'est-ce que je vends là? Du fromage, du poisson et des vêtements. Ok, les vêtements, ça devrait remonter. Ok, donc là, on est bien. Un moine requiert votre audience. On s'en fout, on a tout ce qu'il faut. Je garde tout. Ok. Tac, tac, tac. Donc, qu'est-ce qu'ils ont besoin? De l'église. Beaucoup, 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 beaucoup ont besoin d'église. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va construire une autre petite église. Où c'est que je vais pouvoir construire une autre église? Ah, mais oui, mais là, voilà. Là, ils ont toujours pas fini ça. Il y a tout ce qu'il faut. Vas-y, priorisez-moi ça. Faut finir ce truc là. Ok. Ok, ok. Ce qu'on va faire, est-ce que j'ai des gens qui ne font rien? Ouais, beaucoup trop. Donc, du coup, on va construire un atelier de construction. Disons par là. Non. Par là. On va faire un atelier de construction. Là. De toute façon, ils pourront pas faire de maison ici. Ah, un atelier de vitrail. C'est dans l'atelier de construction. D'accord. Ok. Commencer la construction. Ok. Très bien. 2, 3. 3 bâtisseurs. Voilà. Donc là, j'ai 3 bâtisseurs supplémentaires. Du coup, on va peut-être essayer de produire un peu plus de lait et de fromage également. On va attendre que mes constructions soient terminées quand même, parce que là j'ai l'impression que il y a beaucoup de d'habitations qui attendent d'être construites. C'est quoi ça? Un fondeur, ok. Construction terminée, un marché. Ah, bah voilà, très bien. Donc là, du coup, on va pouvoir définir une zone résidentielle par ici. Voilà. Très bien. Très bien, très bien. Alors, du coup, le marché, on va vendre du poisson ici et des vêtements. Hop, hop. Pour le moment, ça suffira dans un premier temps. Et ensuite on pourra construire des mines ici. Construction terminée, le pont en pierre. Voilà mon super pont en pierre. Une mission militaire. Ah oui, les missions militaires, on en est où? Ils sont tous formés entièrement. C'est cool. C'est cool, c'est cool. Eh bien on va les envoyer. Faire une mission. Ah, mission difficile. Voir la mission. Hop. Est-ce que je peux les envoyer?
très élevée. Allez, envoyé. Par contre, ça risque d'être compliqué pour la suite. Donc le truc, c'est qu'il va falloir que je forme d'autres soldats, je pense. Donc, comment est-ce qu'on ajoute des soldats ici? Je ne sais plus. Là, on va rajouter deux soldats qu'il va falloir former. Alors, quête, oui. Ok. Ok, ok. Une église. Une église. Une église. 64, c'est rien du tout 64 là-dedans, j'en mets 80 je crois. 140. 140 dans l'église rustique là. En même temps, il y a plein de petits modules partout. C'est vrai que j'ai pas tant de petits modules que ça. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va en construire une autre église. Le problème, c'est que là-bas, il n'y a pas beaucoup d'habitations, donc ça vaut peut-être pas le coup. J'en mettrais peut-être plutôt une par là, là. Une autre église par ici. Ah oui, on voulait attendre de voir si le monastère permettait d'apporter ce besoin ou pas. Ah oui, mais il me faut du verre pour le monastère. Bon, donc on va construire une église d'abord. Le monastère, on n'est pas prêt de construire, en fait. Pour du verre, il faut du quartz, je crois. C'est ça, le quartz. Oui. On a une mine de quartz ici. J'ai commencé à construire une mine de quartz ici. Mais c'est encore en attente de construction. Très bien. Bon, donc là, ils vont construire leur baraque, j'espère. Ok, donc il y en a deux nouveaux qui arrivent, c'est bon. Ok, les bâtisseurs, c'est la dèche un peu. On est d'accord. Là, ça se remplit, ça? Non, pas trop. Pourtant, là, c'est plein. Ok. J'ai mis des brasseurs de partout. Hein. Je pense qu'on va pouvoir construire encore une brasserie. À mon avis, j'ai l'impression... J'ai bien l'impression, ouais. Ouais, j'ai bien l'impression qu'on va pouvoir construire une autre brasserie. On verra plus tard, mais je pense que on va en construire une autre. On va faire une autre ferme de... Ferme laitière aussi. Le problème, c'est que j'ai beaucoup trop de construction en cours. Je peux me faire une autre cabane de constructeur, sinon de bâtisseur par là. Une autre cabane de bâtisseur. Ici. C'est marrant. Non, peut-être pas là. Là plutôt. Hop, commencer la construction. Et 1, 2, 3. Voilà. Ok. Ça, on va se boucher un peu les fesses. Donc là, j'ai un puits qui est fini. J'ai mon marché qui va m'apporter un peu de d'attrait. Les vêtements, c'est bon, ça a l'air bon. J'en produis un peu. Enfin, ça remonte, je veux dire. La laine, on a l'air d'être toujours bien. Ouais. Malgré le nouveau tisserand qu'on a mis ici. Alors, toujours très élevé. Donc on va continuer en très élevé. Hein. On va voir ce que ça donne. Allez, 4 nouvelles personnes qui vont arriver. Très bien. Le blé, est-ce qu'on en stocke? Un peu plus déjà, ça commence à être pas mal. La farine, par contre, ça diminue. On verra comment on fait. Le bonheur, ils ont toujours besoin d'église. Ah oui, donc on a dit qu'on allait faire une église. Eh bien. On construit une église par là. Hop. Hop. Une église. Fournit de la foi. Module principal. Le problème, c'est que j'ai pas tant de modules que ça pour l'église et du coup... J'ai l'impression que vaut mieux que je fasse une église rustique, ça prend
C'est mieux, non? Je sais pas. Alors, un module, deux modules. Oh, c'est tout pour brancher ici. Deux modules, on va mettre le clocher ici. Comme ça. Ça me coûte combien? 188 d'or par semaine. Sérieusement? Mais là j'ai bien fait comme ça là, non? C'est des modules principaux là les deux, ouais. Bah écoutez, on va essayer. On va essayer. Ça a l'air de fournir pas mal de bonheur tout ça. Donc on va mettre comme ça. On va même y mettre. Ah non, pas trop au bord de. Ah bah si, il faut y mettre au bord. Hop. Et il me faut une porte. La porte va être là. Clac. Voilà. Ensuite, on va mettre une extension comme ça. Enfin, une petite église en forme de croix quand même. Hein. Où on s'en bat complètement les couilles. Allez, on va les envoyer, on verra bien. On prend le risque. C'est pas terrible ça. Hein. Je suis pas super fan de mon truc là. Ça, on peut le monter. Un peu, ouais, comme ça. Par contre, ça, faut le monter, c'est dégueulasse. Hein. Voilà, comme ça. Par contre, je suis à 190 par semaine. Et ça va me porter combien de place en plus? Je ne sais pas. Bien long, commençons, on verra bien. On construira, pardon, on construira au fur et à mesure. Là, je suis à combien? 67. Ça fait pas beaucoup. Hein. Module, j'ai deux modules principaux hein, qui font 80. Ah ouais, 600 d'or par semaine, ça me coûte hein, mon église. Alors que celle-là. 323 et elle me donne 140 places. Pourquoi je construis des églises alors que les églises rustiques ça m'apporte plus de trucs? Sérieusement, ça m'apporte peut-être un peu plus de splendeur, mais c'est tout. On s'en fout de la splendeur, non? Bon, tant pis, j'ai construit une église là-bas. Peut-être que ça m'apporte plus d'attrait, je ne sais pas. Je ne sais pas. Construction terminée, gisement de quartz. Ah bah très bien. C'est là, là. Module. Allez, deux mineurs. Ah, il va me falloir un stockage, du coup. On va peut-être le mettre à côté, non? On va peut-être construire des trucs par là. Hein. Tant qu'on est ici, vu qu'on devrait avoir des habitations qui devraient arriver par ici. Donc on a dit, il me faut un entrepôt de ressources. Genre comment ça hors du territoire? Ah oui, ok. Eh bien, on va acheter ce territoire là. Hop. Et on va construire. Un entrepôt de ressources par ici. Clac. Vos soldats ont été victorieux, cool. Soldats sont de retour de mission. Commencez la construction. Pourquoi il y en a zéro qui viennent alors que là j'ai plein d'emplacements, j'ai plein d'âge, je dois avoir de l'attrait en plus là. J'ai peut-être trop de sens d'emploi. Pas tant que ça. Pas tant que ça. Bon, l'église est en train de se construire, les vêtements, voilà, et il y en a qui manquent d'amélioration de maison. Mais vous foutez de ma gueule, putain. Ils ont ramené combien? Oh, 2000 d'or. Waouh, 2500 ils ont ramené d'or. Du pain, du fer, des bijoux, du vin, des lances. Oh, 7 lances, c'est quoi c'est les lances? C'est de nouvelles armes? Fantastique. Mon émissaire se barre, tant mieux, je m'en foutais de toute façon.
Donc on a dit qu'on voulait faire une ferme supplémentaire. Ah mais oui, j'avais construit une ferme ici. Une ferme laitière en plus. Pour me déployer un peu par là. Ok. Ah, les sangliers, on est au... On est à bloc de sangliers. On est à bloc de sangliers. Peut-être qu'il serait temps d'agrandir ça aussi. Une cuisine produit des repas. Ok. Et les repas, je ne sais pas ce qui se passe. Tiens, je peux affecter un truc ici. Comptoir de service. Vend des ressources. Ajoute deux capacités. Vend des ressources. Comptoir de service. Ok, donc oui. Ouais, donc c'est plutôt un salon public là qu'il faut que j'ajoute. Ok. Et la cuisine fournit des repas. Et les repas, je vois où mon stock de repas? Est-ce que je peux voir ici? J'ai zéro repas. Ah oui, parce qu'il n'y a plus de fromage. Ah mince. Ah mince. On n'a plus assez de fromage. Eh ben, on va refaire une fromagerie. Ferme laitière fromager. On va se faire un petit fromager par là. Ouf, dans la forêt. Hop là. Voilà. Ma ville a sacrément grandi. Hein. C'est un truc de ouf. Bon, là, il devrait quand même pouvoir venir, là, non? Le bonheur résidentiel, là, c'est quand même. C'est quand même pas mal, non? Clac, clac, clac. On met des petites décos, hein, c'est pas mal. Ça leur donne envie de venir. Beaucoup trop de pierres polies. Ok, j'ai un nouveau villageois qui est arrivé. C'est tout. Allez, mon église, il faut qu'elle se finisse. Comme ça fera remonter un peu tout ça. Donc là, ils vont améliorer leur maison normalement. Voilà, il devrait y avoir de la place pour qu'ils s'agrandissent, non? Pas trop dans la zone des. Voilà. Là par là, si vous voulez vous agrandir un peu. Hop. Voilà. Ok, là-bas j'ai des mineurs, donc ils devraient construire des baraques par ici quand même. Il n'est pas fini le stock encore là. Bon, c'est pas grave, les mineurs ils doivent stocker du quartz ici. Alors il faut qu'on fabrique du verre. Atelier de geôlier. Du quartz et du charbon. Ah oh, punaise. Ah oh, punaise. Alors là c'est terminé, donc on va mettre du quartz et du charbon. On va mettre deux personnes, voire même trois personnes ici pour qu'ils m'amènent du charbon. Est-ce qu'ils vont aller m'en chercher du charbon? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Ah ouais, les lances, c'est mieux quand même. Hop, on va leur donner des lances. Hein. J'en ai plein du coup. Je pourrais améliorer mon armée. J'ai pas des missions difficiles encore, si, tiens. Allez hop. On va les envoyer, hein. Tous. Allez. Je peux tous les envoyer alors. Ok, bah envoyer. Voilà. Très bien. Ok, donc là, moi il me faut une fonderie de verre. Pour transformer tout le quartz que je vais produire en verre. On va la mettre par ici. Ce serait bien que je fasse une petite cabane de...
bûcheron pour qu'il me déboise un peu tout ça quand même. Parce que là, ça fait vraiment le campement au milieu de la forêt, quoi. Ça fait un peu Robin des Bois, quoi. Ok. Fromager. Allez. Hop, on assigne deux fromagers. Là, j'avais bien mes deux fromagers par personne, par truc. Ouais. Sanglier. Un grenier. Donc les sangliers, je suis full. C'est pas cool. T'as le pain, c'est toujours la dèche, le pain. Le pain, c'est vraiment la dèche. Le poisson, par contre, ça y va. Le poisson, ça y va. Bon, au moins, je sais que je peux nourrir mes gens avec du poisson. Normalement, il devrait pas manquer de bouffe. Ok, donc les habitations, c'est bon. Par contre, il manque toujours d'église. Mais c'est pas terminé l'église. Promotion. On va tous les faire passer serre déjà. Hop. Voilà. Citoyen, non. Par contre, on peut en faire passer certains roturiers un peu. Oh, c'est bon, ils vont manger du poisson un peu. Faut arrêter. Faut arrêter. Ok. Je vais passer que les gros niveaux. Faut qu'ils le méritent quand même. Faut pas exagérer. Hop. Voilà. Donc là, je devrais reproduire un peu plus de fromage. Le problème, c'est mon stock de lait. Faut surveiller le stock de lait qui est assez bas en vrai. Donc peut-être qu'on va refaire une ferme laitière encore. Je pense qu'on va refaire une autre ferme laitière. Hop, clac. Des maisons se modernisent, parfait. Et on va ajouter des vaches pour rigoler. Une maison se modernise. Donc il y a pas mal de maisons qui se modernisent. Où ça? Ici? Ah, c'était des petites maisons comme ça? Eh ben, très bien. Là aussi, ouais, ça se modernise pas mal. C'est cool. Et là, il n'y a personne qui arrive. Ils construisent pas de maison là. Ah, bah si, voilà. Ils vont construire des maisons un petit peu. C'est bien. Construction terminée de l'église. Parfait. Ça nous donne combien de places? 40 places supplémentaires. C'est pas beaucoup quand même. Hein. C'est quand même pas beaucoup. Qui est rempli déjà. C'est déjà plein. C'est déjà blindé. C'est déjà blindé de chez blindé. C'est déjà blindé de chez blindé. Bon, on va l'agrandir maintenant. Ces extensions, je sais même pas ce que ça apporte en fait. Si ça apporte vraiment beaucoup de place ou pas dans l'église. J'espère que oui. Si on faisait une petite église un peu différente. Clac. 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 Parce que là après je peux mettre un truc au milieu comme ça. Hop. Elle a un petit jardin l'église. C'est cool hein. Ça fait un peu bizarre mais bon. Un petit peu chelou mais bon. Ça me coûte pas mal de trucs. Bon c'est pas grave, j'ai tout ce qu'il faut de toute façon je pense. Commencer la construction. Hop. Voilà. Donc là c'est pareil, ça va me donner beaucoup d'attrait ici. Donc normalement. Voilà, il devrait pouvoir venir mettre. Construire des maisons par ici. Hein, ils seront contents. Ils seront contents les gens. Voilà. Le blé, j'ai l'impression que c'est encore la dèche le blé. 150, ça a l'air d'aller. Le blé, on commence à stocker. La farine aussi. On va faire un boulanger supplémentaire, je crois. À partir de maintenant. Ouais, on va commencer à faire un autre boulanger, je crois. Hop. Boulangerie.
Même si je trouve que une boulangerie, ça demande beaucoup d'efforts pour pas beaucoup de récompenses. Et je vais y faire plutôt par là-bas. Mes stocks sont tous par là-bas. Non. Où est-ce qu'on va la mettre? Une boulangerie. On va la mettre par là. C'est un peu bizarre, mais bon. Ouais, ou tant pis, je la mets au milieu de ce village. C'est pas gênant. Hop, comme ça. Clac. Voilà. Ok, donc la boulangerie c'est bon. Allez, on continue. Hein. Construction terminée, fonderie de verre. Ah voilà, ça c'est intéressant. Alors, là pour le moment on stocke pas. Parce que là on n'est pas au max de quartz. Fonderie de verre. On va mettre deux souffleurs de verre. Ça veut dire que là il faut qu'on stocke du verre. Aussi. Marbre, je ne sais pas à quoi ça me sert le marbre. On verra plus tard. J'ai rien débloqué de plus là de toute façon. Ah oui, les manoirs, je pouvais les développer un peu plus maintenant, je crois. J'avais des nouveaux modules là. Ouais. Bureau des impôts, mais je veux pas en faire. Ouais, module en pierre, ouais, y a pas grand chose. Y a pas grand chose. Ok, les vêtements, c'est toujours pas ça. Hein. Oh là là, ils ont manqué d'eau. Où est-ce qu'ils ont manqué d'eau? Qui a manqué d'eau? Qui a manqué d'eau? De nourriture aussi, mais comment ça se fait qu'il manque de nourriture alors que je suis blindé de poissons quoi? Ils mangent pas de poisson. Ils mangent pas de poisson. Attendez, à moins que mes stocks de poissons. Non, j'ai encore 400 poissons. Ils aiment pas le poisson, hein. Ils aiment vraiment pas le poisson. Ah oui, c'est pas fini, mon frère. Il n'aime pas le poisson. Le fromage, ça descend. J'ai l'impression quand même que le pain, c'est la nourriture par défaut. Et qu'après, le reste, c'est un peu annexe, quoi. En tout cas, le poisson, c'est pas ouf, hein. Soldats ont été victorieux, ils vont encore me ramener plein de thunes. Un villageois quitte votre village car il est malheureux. Ah merde! Je sais pas que c'était possible ça. Ah merde! Ah merde, merde, merde! Oh les vêtements! Oh les vêtements! Putain, mais en plus j'ai plein de. Comment enlève ce truc là? J'ai plein de villageois disponibles, donc je pourrais me faire un autre tailleur encore, sans problème. Un tailleur. On va faire un autre tailleur ici. Hein. Là, ça va être le quartier des tailleurs. Hein. Quartier des tailleurs. Ouais, vêtements, bouffe, c'est chaud, hein. Alors attendez, la liste des habitants. Par bonheur. Chut, on descend tout en bas. Lui, il est pas content du tout, il manque d'eau. Pourquoi? Il habite où lui? Là. Il y a bien de l'eau, là, il y a un puits. Il y a un puits. Tu te moques de moi? Lieu de travail. Mais il y a bien de l'eau, là, il y a un puits. Qu'est-ce qu'il te faut de plus? Mettre un autre puits par ici si tu veux.
Je vais quand même pas mettre un deuxième puits par là. Il y a une fontaine et tout, des puits, il y en a ici. Il y a un autre puits là, il y a un puits là. Je peux mettre un autre puits ici, si tu veux. Je ne comprends pas son manque d'eau. Les vêtements, ok, je comprends. L'église aussi. Mais le reste... C'est quoi ça? C'est les habitations, ça, on est d'accord. La bouffe, mais comment il manque de bouffe? Je comprends pas comment ils peuvent manquer de bouffe. Promotion disponible. C'est gratuit. Il n'est pas content, lui. Hein. C'est pas grave. Je comprends pas comment ils peuvent manquer de bouffe. Le pain, ça monte, ça y est. On va essayer de faire remonter le lait et le fromage. Ah ouais, le lait, on a bien descendu. Donc le lait, on va refaire une ferme laitière encore. Oh, j'ai pas vu le temps passer. J'ai pas vu le temps passer. Du coup, j'ai très envie d'avancer beaucoup. C'est un truc de ouf ce jeu. C'est un truc de ouf ce jeu. Là, je vais me faire une autre ferme de blé, je pense. Combien on est en blé? 86. On commence à monter le blé, ça c'est intéressant. Ça commence à devenir intéressant. Du coup, on va faire une autre ferme de blé aussi par là. Par là, hop. Voilà. Ok, le houblon. Le houblon, on est toujours full, full, full. Ah oui, j'ai pas de transporteur, mais quel débile. Ah oui, d'ailleurs, faut que je regarde là-dedans plutôt. Tailleur, hop, clac, transporteur, c'est bon. Il y en a un peu de partout, c'est vrai que soit plein. Gisement de fer, le fer, on en a assez, je crois. Le fer, on est blindé. Ouais. Ok, transporteur, transporteur, hop, charpentier, on en a besoin de plus, étale de nourriture, là on a une étale de nourriture qui est inutilisée, qu'est-ce qu'on pourrait vendre de plus, des sangliers, allez vas-y on vend des sangliers, puisqu'on en a, on a à balle du sanglier, assigné villageois. Et oui, maintenant que j'ai la balle de sanglier, je peux peut-être en vendre. Je suis bête. Ce qu'on va faire aussi... Est-ce que j'ai beaucoup de sang... J'en ai plus. J'ai plus de gens qui n'ont pas de métier. Ok. On va se refaire un petit grenier par là. Un petit grenier par ici. Ouais, par là, là. Hop, derrière, là. On va se faire un petit grenier par là. Hop, comme ça. Clac. Terminé, église. Ok, combien on accueille de personnes, maintenant? 61. Ça devrait aller, maintenant, l'église, du coup. Ok, maintenant, c'est les vêtements. Les vêtements. Ben, les vêtements. Là, j'en fournis des vêtements. Oui. Mais... J'ai pas de stock pas loin, c'est ça? Je ne sais pas. Oh là, les baies, ça descend aussi. Normalement, les baies, ils en ont pas besoin. C'est les plus bas niveaux, je crois, qui mangent des baies. 100, 100, 100. Ok, donc là, ça va commencer à booster aussi, non? Ouais. Il va falloir qu'on fasse d'autres brasseries. La bière, on monte pas, hein. Avec trois brasseries, on n'arrive pas à monter. Hein. C'est des... Ils descendent, hein, les mecs. Ok, il y a des gens qui viennent. Il me faut quand même des vêtements. Ah, ça monte, là, je suis à 80... Ah oui. Ça monte, mais ça descend.
Là, on n'arrive pas. Ah si, ça y est, 10 vêtements. Non, bah non. C'est quoi ce vêtement ordinaire? 10 là. 0. 10. Voilà. On a bien des gens qui nous les amènent. Je pense que c'est parce qu'il me manque des ouvriers sur les là où il y a les stocks de vêtements. Oula! La laine, ça descend. Ça descend beaucoup. Il va falloir surveiller ça. Lui, le bâtisseur, j'en ai pas besoin. Là. Il crée des sculptures pour rien. Il va falloir que je fasse une autre bergerie. On va construire une bergerie. On peut la faire par là. C'est pas gênant. Ou par là, là. On va faire une autre bergerie. Par ici. Hop, allez. Voilà. Et on va s'arrêter là. Hein, parce que ça fait 40 minutes de vidéo. Je voulais essayer de me focusser sur 30 minutes, mais je n'y arrive pas. Là, on commence à avoir pas mal de choses à faire. Hein. Il va falloir qu'on arrive à stabiliser nos stocks de nourriture. Donc, les objectifs suivants, ça va être de produire de la nourriture. Là, on doit commencer un peu à produire du verre, je suppose. Toujours pas. On n'en produit pas encore. Pourtant, ici... J'ai deux souffleurs de verre. Ah oui, mais le charbon, c'est ça. Pouah, c'est la galère. Le problème, c'est que le charbon, il est tout là-bas. Donc, le temps qu'il l'amène là-bas, machin, il me faut des transporteurs. Il me faut du monde dans mon village. Le problème, c'est que le monde, ça bouffe. Et je produis pas assez de bouffe. Donc, il va falloir que d'abord, que je booste la bouffe. Et qu'après, je réduise d'autres trucs. Ah là, le charbon, ça a diminué. Hein. Le charbon, ça a bien, bien diminué. Les outils, je sais pas pourquoi j'en fais autant que ça. Ah ouais, là, j'aurais pas eu besoin de construire ça. Je le mettais là-dedans, le mage. Le bois, laisse tomber. Je suis overfull de bois. Je sais plus quoi en faire. Ok. Bon, bah on verra la prochaine fois un peu ce qu'on avance. Faut produire de la nourriture, ça c'est sûr. Il faut arriver à produire plus de nourriture parce que là mes villageois manquent de vêtements surtout. Donc il faut produire des vêtements d'abord en priorité. La nourriture ça va à peu près du coup. Parce que j'ai des stocks de poissons je pense. Ouf. Ah oui, 200. Ah, c'est bien descendu du coup. Ah oui, c'est pour ça que là on commence à être dans le mal là. Ok, production de nourriture la prochaine fois. Parce que les vêtements là, j'ai fait un autre tailleur, ça devrait aller quand même. Ça devrait aller. Bon, on verra. On verra, ok, donc, eh bien, sur ce, je vous souhaite à tous une bonne continuation. Et je vous dis à bientôt, salut à tous, ciao !